Marrakech a accueilli du 7 au 18 novembre la 22e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Lors de cette COP 22, notre groupe SNTL a su marquer sa présence et a su montrer sa mobilisation pour la lutte contre le réchauffement climatique à travers plusieurs événements, rencontres et signatures. Notre groupe a su également surprendre avec une révélation révolutionnaire, celle du pick-up 100% électrique, 100% marocain, Aslan. C'est du côté de l'innovation qu'SNTL Group a choisi d'installer son stand. L'innovation, un domaine qu'SNTL Group maîtrise via son centre Tameyouz Supply Chain, créé il y a un an de cela. SNTL Group a permis à l'innovation de prendre forme, la forme d'un pick-up, et il s'appelle Aslan. Ce que nous avons fait, c'était de jouer le rôle d'incubateur, d'assembleur. Autour de nous, il y avait des bureaux d'études marocains, d'ingénieurs marocains, des designers marocains. Et grâce à cette expérience, à cette expertise marocaine, 100% marocaine, on a pu réaliser le pick-up Aslan, qui est le lion blanc. Pick-up qui est 100% intelligent, qui est connecté. Si vous regardez au niveau de l'intérieur, vous avez aujourd'hui une seule tablette qui regroupe toutes les fonctionnalités, qui regroupe aussi bien les éléments d'affichage que les éléments de commande. D'abord, je vous dis que je suis très agréablement surpris de voir que la SNTL est en train de créer non seulement du soft mais du hard, que vous êtes allé très loin à créer un modèle, un véhicule opérationnel 100% électrique, écolo, 100% marocain. Je suis vraiment ravi, je suis très fier de ce que vous êtes en train de faire. De la prise de conscience à l'action, en effet résolument engagé pour le développement durable, notre groupe SNTL intègre les enjeux socio-économiques et environnementaux au cœur de sa stratégie de développement. La COP 22 a été l'occasion pour SNTL Group de signer une charte verte qui vise le développement d'une logistique verte au Maroc. La COP 22 se veut être celle de l'action et en termes d'action, eh bien notre groupe ne lésine pas. En marge de la COP toujours, SNTL Group a également signé avec la Société internationale islamique pour le financement du commerce un protocole d'entente relatif à la facilitation du commerce et de l'investissement entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Des actions qui montrent non seulement l'engagement mais aussi la volonté de notre famille de préserver l'environnement et de lutter contre les changements climatiques.